Ah, ça donne envie en fait. Ouais. Et quand on en fait à l'école, et bah. Ça donne envie, enfin. De monter sur scène. Voilà. Bah. Par petits avec, ateliers un peu. Ouais, les TAP et voilà. Avec l'ODK. Alors, la fille d'un jardinier qui s'appelle Bégonia. La nièce d'un jardinier. Oui, la nièce. Ah oui, la nièce. Et qui vient vendre des tickets de tombola de son école. Voilà. Bah, ça va donner le trac, forcément. Ouais, mais après, comme tout le monde. Ouais. Mais après, quand t'es sur scène, t'as envie de recommencer, quoi. Ouais, t'as envie de danser et tout. Peut-être ça quand même, mais... Bah, on va faire chacun notre tour. Hein. Voilà. Mais on va pas s'embêter parce qu'on a déjà prévu. Un peu, ouais. Alors, le choix de la pièce, ça, c'est une étape très importante. La première, pas la plus facile. Alors, je vous explique. Choisir la pièce, ça consiste à commander des livrets. Un livret, encore un livret, encore un livret. Bref, à commander beaucoup de livrets. Mais ces livrets, il faut les lire. Alors, dans la troupe, on a la chance d'avoir Christine qui lit ces livrets, Sandra aussi, qui travaille dessus. Et le but, eh bien, c'est de trouver la pièce qui va correspondre le mieux à la troupe et qui va correspondre le mieux au public, qui va faire rire le public, comme c'était le cas l'an passé et les années précédentes. Cette année, eh bien, on a eu un peu de mal à choisir, on va dire. Enfin, un peu de mal à choisir. C'est pas vraiment ça. On a eu de la facilité à choisir, sauf que la pièce que nous avions choisie était protégée en termes de droits, c'est-à-dire qu'une grande société de production joue cette pièce du côté de Bordeaux et Paris. Donc, pas possible de jouer la pièce. Alors, on a cherché une autre pièce et on a trouvé donc la pièce qui sera un pyjama pour 6, qui est une pièce assez connue de Marc Camoletti, et donc du théâtre de boulevard, du théâtre du Vaudeville, donc il devrait plaire. Alors ce sont de jeunes actrices, et comme elles sont deux et que c'est leur première fois, en fait, et que la saison est longue, elles vont se relayer, ces jeunes actrices, et jouer chacune leur tour. Problème, c'est que dans cette pièce, un pyjama pour 6, comme son nom l'indique, il y a 6 rôles. Donc il fallait ajouter un 7e. Et là, eh bien, j'ai sucé mon crayon, je me suis gratté les cheveux, et il a fallu donc ajouter le rôle, qui sera un rôle donc, qui n'existe pas dans cette pièce, évidemment, qui est le rôle de Bégonia, donc une jeune demoiselle que le public va découvrir quand nous allons interpréter à partir de fin janvier cette pièce de théâtre, un pyjama pour 6. Et en l'occurrence, il y aura 7 personnes.